Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, le bassin d'Arcachon. Attention, le département 24. Le bassin d'Arcachon, le département 24. Est-ce que vous êtes en fréquence pour Dandy 33 qui vous lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest? Si à tout hasard il y a quelqu'un derrière dans le lointain, j'ai un QRM là, de 3 à 3,5 là chez moi, donc tout ce qui est en dessous là ça peut pas passer. Hein. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le QSO national? Oui, Angèle, les autres sont presque comptés à toi. Là, je t'entends, j'ai entendu le coup de sifflet là sur la station et autrement je t'écoute sur le voie des VR. Salut Rémi! Salut, comment vas-tu? Attention Rémi pour Angèle. Oui Angèle, je t'écoute en ce moment via le voie de tir. Ok, 73 à toi l'ami, mais moi c'est pareil, WebSDR, il n'y a pas du tout de propag. Hein. Mais il n'y a personne encore ce soir, comme d'hab. Et rappelle-moi ton QTH parce que je suis avec un copain et j'arrive pas à me rappeler où c'est que tu es. Ok, je suis sur 5 colombes. Alors entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, juste à côté de Castillon-la-Bataille. Ok, bon Castillon, ouais, à côté de Castillon. Ouais. Et t'as pas entendu personne encore ce soir? Non, non, c'est le premier que j'entends et encore via le voie de VR. Mais moi pareil, tu vois, je viens de mettre le SDR, j'ai dit je vais aller voir un petit peu s'il y a un peu de monde. Mais je vois que c'est très 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 calme. J'ai même pas entendu Philippe, 9h, je sais pas s'il devrait être là ou il devrait pas parler. Ludo, pas de nouvelles? Non, on a plus. Je sais pas, peut-être qu'il était, il doit être parti en famille, hein, j'imagine. Ok, mais t'étais en QSO avec quelqu'un? Mais non, pas du tout, je ne fais que lancer des appels là, en attendant que quelqu'un arrive, là, des premiers là, qui arrivent sur le QSO. Eh bien écoute, on va attendre encore 5 minutes, on va voir s'il y a un peu de monde, j'espère. Hein. Parce que alors, toujours les mêmes, voilà, hein, c'est pas comme ça qu'on va relancer le 11 mètres. Hein. Ouais. Eh oui, que le sais. Après, ben, ce sera justement ces autres mêmes assis qui viendront dire que plus personne n'est dessus, alors qu'eux-mêmes ne sont pas très motivés. J'ai cru entendre un break, retour en gêne, pour voir si toi tu l'as entendu. Ah, négatif, j'ai pas entendu de break, mais bon, je laisse un blanc s'il y a un break en avant. Ok, 73 à 22, 14, au Claire Juliette, 007. Ben, j'entends que la dernière station là, qui m'a lancé les micros. Malheureusement, c'est trop dans le courant, trop dans le QRM pour celle avec qui tu parles. Bon, tu lui adresses, si tu m'entends, ben, tu sais, j'ai appuyé. Hein. Donc, l'opérateur Yannick, hein, si je crois, parler hier soir. L'opérateur Yannick au QTH, Béline, hein, voilà, donc je ne sais pas si c'est... Quand j'avais noté les indicatifs hier soir, je ne sais pas si c'est Angel, Eric ou Philippe. Hein. Retour micro à la dernière station. Ok Yannick, ouais, 73 à toi, c'est Angel, qui t'es... Angel, 14 Alpha, bravo. Donc toujours à QSO avec notre ami Rémi, du côté de Castillon. Et moi je suis toujours sur ce nom, mais bon, par contre, toujours par le WebSDR, il n'y a pas du tout de propag. Hein. Ouais, affirmatif, je confirme, c'est très très calme depuis plusieurs jours. Ok, puis c'est noté pour Rémi, mais bon, c'est dommage, en plus j'ai un petit QRM là, il faut que je trouve la cause, je ne sais pas si c'est un câble réseau. Bon, il est tout petit, mais bon, il dit que peut-être en montant le volume, j'aurais pu, dans ce QRM, entendre Rémi. Ah bah, je suis désolé pour lui, je lui retourne le micro s'il m'entend et puis bah, en espérant qu'un jour ça passe mieux. Ok, merci pour le retour du micro. Les 213-51, toi Yannick, voilà, de la part de Rémi, Dandy 33 du côté de Castillon-la-Bataille. Et là je t'écoute via le voie de CR. Ok, je reprends vite fait parce que j'ai entendu le bip. Alors j'ai tendu l'oreille. Hein.
j'ai entendu l'oreille, mais alors c'est difficile. J'ai entendu Castillon, la bataille. Voilà. Il manque un petit chouïa, c'est dommage. Hein. Il manque un petit chouïa pour que ça rentre en de bonnes conditions. Bon, ça viendra peut-être un jour. De ton côté, je sais pas, de changer d'antenne, c'est pas ce que tu as. Enfin, c'est peut-être pas à toi de changer les choses, c'est peut-être moi aussi à les améliorer de mon côté. Bah oui, j'ai pas donné mes conditions hier soir non plus, bah, c'est un CRT SS 99 et une antenne signal keeper, une quart d'onde sur le toit, voilà. Même si j'avais une demi-onde, peut-être que ce serait mieux, mais bon, on verra ça par la suite. Voilà, je te retourne les micros, Angel. Mais j'entends plus personne. Philippe, est-ce que tu es à l'écoute ce soir? Oui, mais Yannick était en train de répondre. Ah, Philippe, est-ce que tu es à l'écoute pour 14 Alpha Bravo, pour Rémi et pour Yannick, qu'on est à l'écoute pour le petit QSO national? Donc tu vois, comme ce soir je rentrais juste du boulot, si j'entends,
Angèle, bonne soirée, puis certainement à très bientôt. Ok Yannick, y'a pas de problème, mais 73 à toi. Alors Rémi, mais c'est pareil, je vais mettre un stand-by un peu en écoute entre le 275 et le 1655, mais pas longtemps. Donc Rémi, je te souhaite une bonne soirée. Si t'as Ludo, ben, tu lui envoies les 73, parce qu'il y a un moment qu'on l'a pas entendu. À Philippe également, enfin à toute l'équipe, je sais que d'habitude. Et je te souhaite toujours de bonnes vacances, parce que je sais que toi t'es en vacances. Bye Rémi. Ok, ça marche. Ok, Angèle. Ok, Yannick. Mais bon, ça reste 51 à vous deux. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu triste de faire des curieux comme ça via Internet interposé en plus. Alors que la division directe, là, c'est quand même nettement mieux. Mais bon, ce soir, c'est comme ça, c'est pas grave. Le prochain coup, on aura peut-être un petit coup de Bretagne. Hein. Là, on est un petit peu dans le trou, là, durant quelques jours. Et puis, bon, ça remontera après, quoi. Au prochain changement de saison ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que là on a eu la protague de l'équinoxe d'été. Après bon on aura un autre type de protague, puis voilà quoi. Allez, ok, les 213-51 tous, merci pour ce petit QSO et à la prochaine. Bon, j'ai entendu Michel derrière, il était très 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 QRP. Heureusement que je connais ta voix Michel, parce que alors là tu serais passé au travers. Hein. Michel, j'ai un QRM de 3, 3,5, voire parfois tu te pointes à la 4. Tu es en plein dedans. Il y a vraiment la modulation passe vraiment au strict minimum dedans. Moi ce soir, je suis malgré tout une petite vidéo. Je vais essayer de ne pas me rater comme hier soir, assis. Et là, tu peux avoir dedans, là, c'est vraiment pas évident. Hein. Bon, on va pas insister plus là, pour ce soir. Bon, là, il est quasiment 21h25. Bon, il n'y aura pas plus de monde, hein, de toute façon. Je vois ce que je vois de dire. Bon, il y a une autre question un peu plus haut. Bon, ça va peut dire se passer de leur côté. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Ça ira mieux le prochain coup quand la propagande remontera un petit peu, quoi. Puisque c'est vrai que là, pour du local, on est un peu loin. Du local, sans propagande, je veux dire. Alors, on est beaucoup trop loin les uns des autres. Hein. Ok Michel, bye, merci beaucoup pour ta réponse, pour cette situation à Chine. À la prochaine.